Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube Les Mistinguées. Je viens littéralement de me réveiller, je pense que ça se voit à ma tête, j'ai les cheveux qui vont de partout, j'ai ma peau du matin, j'ai mes yeux du matin, mais c'est pas grave. J'ai décidé de sortir ma caméra aujourd'hui, on est dimanche, parce que j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi un petit peu dans mon assiette pour vous montrer ce que je mange réellement, pas forcément un jour de travail, mais ce que je mange tout simplement dans une journée type avec moi. D'ailleurs, si vous me suivez sur TikTok, vous devez voir passer toutes les vidéos dans mon assiette du jeudi soir, dans mon assiette du mardi midi, où je vous montre un petit peu les choses que je mange. Et c'est vrai que vous avez été très nombreuses à me dire que vous adoriez ce concept. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit que j'allais le décliner sous format plus long, mais pour YouTube, donc avec trois repas à l'intérieur, le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Auparavant, pour deux personnes, pour une semaine, on dépensait environ 80€. Là, le budget est largement dépassé parce qu'on s'en tire à chaque fois pour plus de 100€, 110€. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que nous, mais nous, clairement, les cours sont bien augmentés. C'est parti pour le premier repas de cette journée, ça va être le petit déjeuner et je sais que cette vidéo s'adaptera parfaitement si vous êtes étudiant, étudiante pour des repas pas chers, qui sont bons, qui sont sains, des fois pas trop sains mais qui sont rapides, que vous pouvez reproduire chez vous et des fois vous pouvez aussi vous faire des petits bocaux pour partir au travail le lendemain. Moi typiquement c'est ce que je vais faire ce soir pour mon copain pour demain pour qu'il parte au travail. Donc voilà, on va tout partager dans cette vidéo, ça va être très cool. Et on est dimanche, donc s'il vous plaît, on va strap sur ma tête, j'ai pas envie de me préparer. Avec mon petit déjeuner que j'ai fait quasiment tous les matins, j'ai envie de vous dire, c'est 5 fois sur 7 ce petit déjeuner là. Je mange des galettes de riz de grand frais qui coûtent 1,79€ le paquet et ça me fait à chaque fois 2 matins parce que j'en prends 3 par matin. Me demandez pas pourquoi, c'est mon rituel. Ensuite, je prends toujours mon chocolat chaud. J'avoue que je le prends pas en été parce que bon, on va pas se mentir, il fait super chaud. Mais là, à l'arrivée de l'automne, je suis trop contente d'avoir, on va dire, une petite douceur le matin. Et toujours avec mon verre d'eau, je ne bois toujours pas de jus d'orange, je n'aime pas ça. Enfin, je dis que je n'aime pas ça, mais je ne l'ai jamais goûté. Vu que j'aime pas les fruits de manière générale, ça me donne pas trop envie. Là pour mon petit déjeuner, j'en ai pour 1,40€ entre le chocolat chaud et les galettes de riz. Le paquet il fait 1,79€, mais bon, vu qu'on divise par deux, vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les galettes de riz. Moi j'aime vraiment ça, je trouve ça trop bon. Sinon, pour continuer dans le sujet un petit peu alimentation, hier on a été faire les courses parce qu'on n'avait plus rien à manger. Et je vous ai tourné un petit retour de course. Je sais que ça intéresse plein de personnes qui me suivent. J'avoue que moi j'adore regarder ce type de contenu dès que ça passe sur les réseaux sociaux. Je suis obligée de m'arrêter et de regarder parce que tout simplement ça me donne des idées pour des prochaines recettes, des repas. On a tout le temps tendance, je trouve, à tomber dans une routine alimentaire, à racheter tout le temps les mêmes aliments, les mêmes produits. Et du coup, par l'intermédiaire de ces vidéos, je trouve que ça peut nous faire penser à d'autres choses et on peut se dire « Ah mais ouais, mais tiens, c'est pas bête comme idée, on pourrait faire ça aussi cette semaine et faire ça, ça et ça. » Il faut savoir que nous, quand on fait les courses, on fait 2 à 3 magasins. Le premier, c'est Grand Frais. Personnellement, j'adore, je trouve que tous les légumes, tout ce qui est proposé, le fromage, enfin même le rayon pâte, est excellent, il y a plein de produits que je rachète exclusivement là-bas. Ensuite on va à Auchan, donc ça honnêtement c'est plus pour les produits de première nécessité et après on prend aussi d'autres petites choses. Et ensuite la dernière enseigne où on va c'est Picard, ça dépend vraiment des fois, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que de temps en temps on y fait un tour pour prendre du surgelé, aussi des fois pour prendre des plats qui sont tout préparés. Cette semaine on a fait exclusivement Grand Frais et Auchan. Je vais vous partager un extrait du retour de course que j'ai fait hier pour Grand Frais. Au moins ça vous donne une petite idée des aliments, des ingrédients que j'aime bien acheter pour me faire un petit peu ma semaine. Généralement on y va une fois par semaine, une fois tous les 10 jours faire les courses et ça nous suffit amplement. A savoir qu'entre, on va pas se mentir, on se fait parfois des commandes Uber Eats, ça arrive de temps en temps. Quand mon copain rentre du sport, des fois il s'arrête pour prendre par exemple Eats Salad, vous savez c'est les salades composées qu'on peut faire tout simplement, mais ce qu'on veut à l'intérieur. Et j'avoue que des fois ça nous sauve bien la vie. On a pris 2 paquets de gnocchi, je les ai goûtés la semaine dernière, elles sont juste excellentes. C'est celle-ci. Des cordons bleus, j'ai repris ce que je mange tous les matins, soit des galettes de riz au chocolat au lait, du raisin, des asperges, c'était en promotion, j'ai pris 2 mousses au chocolat, elles ont l'air trop bonnes, j'ai jamais goûté, donc écoutez, on va tester ça ensemble. Incontournable, des œufs, 2 steaks hachés, 2 avocats, des spaghettis de courgettes, je ne vous les présente plus, j'adore ça, c'est trop bon, c'est rapide, c'est trop bien. Des framboises, c'est vraiment mon fruit préféré, donc j'en profite jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Du fromage, je ne sais même pas vous dire ce que c'est du taleggio au lait cru.
Ça sent hyper fort, vous devez sentir hyper fort de la bouche après, mais c'est pas grave, c'est un fromage italien et l'odeur me donne envie, donc voilà. Deux mozza pour faire une salade de tomates, il m'en reste dans mon frigo, donc au moins c'est parfait. Ensuite, des aiguillettes de cabillaud pané, c'est délicieux, c'est un petit peu cher mais c'est trop trop bon. On a pris du saumon pour faire, vous savez, des toasts saumon, avocat, crème fraîche, c'est délicieux. Des asperges, du saucisson au comté, toujours plus de fromage, une burrata, du saucisson classique et du sirop à la pêche. Écoutez, on se retrouve, on est dans ma cuisine, j'ai pris une bonne douche, j'ai mis toutes mes petites crèmes, je suis toute propre, toute neuve et j'ai aussi fait les tâches ménagères que j'avais à faire. Maintenant, on va s'attaquer au repas du midi. Encore et toujours, je suis no make-up puisqu'on est dimanche, je n'ai pas du tout envie de me maquiller. Donc écoutez, vous allez voir ma sale tête pendant toute la vidéo. Là, on va faire le repas. Vous allez voir, ça va être très bon et ça fait très longtemps. Je regarde Jo qui est juste là parce que ça va être notre cuistot du jour. Si vous me trouvez toute luisante au niveau de la tête, c'est totalement normal. C'est juste parce que j'ai appliqué toutes mes petites huiles, tous mes petits soins. Donc voilà, c'est parti, on s'attaque au repas du midi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Des petites asperges vertes à la poêle avec un petit steak haché. Très bien, très healthy, dis donc. Là, tu vas nous faire comme une petite préparation pour les asperges. Tu vas pas mettre les asperges comme ça direct dans la casserole, dans la poêle. Bah, juste mettre du beurre. C'est tout? Bah ouais. Et du gros sel? Pour du gros sel. Je sais pas. Un couteau pour monsieur. Ça par contre, c'est un repas qui vient un petit peu plus cher. Les asperges, on les a achetées à 4€ la barquette à grands frais, donc honnêtement, c'est pas donné. Et la viande, c'est de plus en plus cher. On a payé 5€, je crois, les deux steaks à grands frais. Donc là, juste pour un repas pour deux, on en a pour 9€. Donc honnêtement, c'est pas donné. Mais c'est vrai qu'on essaye de temps en temps de se faire des légumes, de se faire aussi un petit peu de viande. Moi, honnêtement, je ne raffole pas de la viande. Jordan, il est beaucoup plus viandard que moi, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, moi, j'en mange une fois par semaine, on va dire. Et c'est déjà amplement suffisant pour moi qui ne raffole pas de ça. Comment s'appellent les étapes de la préparation? Je ne sais pas. On fait blanchir les asperges. Mmh. Là, 5 minutes dans une boîte très chaude. Hop, juste pour les cuire à point. Mmh. C'est vénère, c'est vénère. Du coup, voilà le repas de ce midi. Généralement, le midi, on essaye de se faire des plats assez sains. Donc là, c'est asperges, steak haché. On a toujours des petits saucissons avec nous. On a du fromage, la même assiette pour Joe. Et c'est vrai qu'on peut pas faire un repas sans fromage. Et ensuite, on va terminer avec le dessert que je vous montrerai. Mais faut pas les mettre avec de la mayonnaise. C'est délicieux. C'est vrai que nous, avec Joe, on préfère se faire des kiffs le soir au niveau de l'alimentation, tout simplement. Je sais que normalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Normalement, le soir, on est censé manger un petit peu plus light, puis qu'après, on va se coucher, qu'on fait pas d'exercice, et que du coup, on stocke. Mais j'avoue que nous, on a toujours eu tendance à faire comme ça, à se faire un kiff devant une bonne série, un bon film, et à se faire un plat qu'on aime vraiment. Je vous montrerai notre petite recette pour ce soir, parce que j'ai déjà une petite idée en tête. Et là pour ce midi on va manger ça, en plus de ça le dimanche on se lève tard. Donc on déjeune tard et directement il y a le repas ensuite. J'avoue qu'on saute jamais le repas du midi. Non. Donc il y a toujours un moment dans la journée où justement on va se faire un petit repas, même si on a pris le petit déj genre 2 heures avant. Et je suis aussi le genre de fille qui ne peut pas manger de viande sans mayonnaise. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais c'est juste impossible. Je suis team mayo, mille fois meilleure que le ketchup. Repas, on termine par un Kinder Pingui, un yaourt nature pour moi et une compote pour Joe.
Bien écoutez, on a terminé de regarder notre petit film qui était vraiment très bien. On a regardé le film qui s'appelle Cash sur Netflix, je crois qu'il est sorti en juillet dernier. Il était cool, il était drôle, c'était léger, donc tout ce qu'il faut pour un dimanche. Et là, hier, quand on a été aux courses, on a acheté du vinaigre. En fait, on sait que généralement, pour nettoyer la machine, c'est hyper bien de le faire. Je crois que Joe, il a regardé sur internet, faut le faire beaucoup plus souvent. Nous, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, on a regardé, il faut mettre 1 litre de vinaigre dans la machine. Et logiquement, elle est toute détartrée, toute neuve. Et c'est important de le faire de temps en temps. Donc, on prend le vinaigre blanc, on a combien? On a 1 litre et on va directement tout mettre dans le tambour de la machine. J'ai trop peur que ça sente fort après. Non. J'avoue que ça absorbe tout. C'est cool, pardon. T'es sûr que c'est normal? Ouais, ouais, je pense. Et là, on fait partir la machine ça à combien? Hein, c'est une infection. Eh bien, écoutez, il est quelques temps plus tard, il est pas loin de 19h, mon copain est parti à la salle de sport. Là, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans pas très longtemps, je vais m'attaquer au repas de ce soir. Ce soir, c'est moi qui fais à manger. Je sais déjà ce que j'ai envie. Ça va être un repas italien. Alors attention, je vais pas faire les pâtes moi-même. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas la machine à pâtes. Et j'avoue qu'en vrai, ça pourrait être une bonne idée. Moi, quand j'étais plus jeune, la copine de mon papy était italienne et faisait toutes les pâtes elle-même. Je faisais les gnocchi avec elle, etc. Et j'en garde un trop bon souvenir et le goût vraiment. Ça n'a rien à voir, c'était juste délicieux. Et j'avoue que je suis italienne quand même de base. Alors attention, je ne parle ni italien ni rien du tout. Je parle juste français, même l'anglais, je suis bidon fantôme. Vous avez vu tout à l'heure, on a pris un petit goûter, mais c'était léger. Parce qu'en fait, vu qu'on s'est levé tard, on a déjeuné tard, on a déjeuné à midi. On a mangé, je crois qu'il était 13h. Ensuite, on a pris le goûter à 16h devant un film. Et là, on va manger, il va être 19h30, 20h. Déjà, je m'excuse par avance si vous entendez le bruit de la machine à laver. C'est la machine qu'on a lancée, vous savez, avec le vinaigre blanc. Et c'est impressionnant les saletés qu'il y a au fond de la machine. Généralement, c'est conseillé de le faire tous les 50 lavages ou tous les 2 mois. Donc là, il était grand temps de le faire et je le ferai beaucoup plus régulièrement parce que c'est vrai que ça empêche d'avoir de mauvaises odeurs et surtout, bah, ça nettoie toute la machine dans l'intérieur et c'est super important. Bref, là n'est pas le sujet. Je vais vous montrer ce qu'on va se faire à manger pour ce soir. Et c'est juste devant mes yeux et ça me donne déjà faim, vous allez voir. Ça va être ces gnocchi là, je peux vous jurer que si vous ne l'avez jamais mangé ces gnocchi, ce n'est pas possible, vous devez aller à grands frais, elles sont juste excellentes. Il me semble qu'elles coûtent moins de 2€ la barquette, honnêtement elles sont délicieuses. Je trouve que c'est hyper rare de trouver de bonnes gnocchi, celles qu'on trouve en grande surface à chaque fois, je les trouve dégueu, mais vraiment je les trouve pas bonnes du tout. C'est pas les vrais gnocchi, c'est pas fondant, enfin c'est pas des gnocchi pour moi. Je vais vous montrer comment je les prépare parce que c'est des gnocchi à poêler, mais pour qu'elles soient vraiment moelleuses, je vais vous montrer ce qu'il faut rajouter. Et ensuite par-dessus, je vais rajouter une burrata, encore une fois elle vient de grands frais, je trouve qu'ils font de la mozza, de la burrata qui est juste excellente et qui est pas non plus à chaque fois hors de prix. Par exemple leur mozza, la classique mozza, je vais vous la montrer. Je parle de cette mozza-ci, elle est à 99 centimes. Dans les grandes surfaces de manière générale je trouve ça très rare d'avoir des bonnes mozzas qui sont vraiment avec du goût à moins de 1€ et vraiment celles-ci elles sont délicieuses. Vous voyez, je mets l'équivalent d'une petite tasse comme ça dans ma poêle et je vais allumer mon feu et ensuite je vais rajouter les gnocchi. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon eau, je vais en rajouter un petit peu et je vais mettre un petit peu de la crème fraîche avec. Là, c'est en train de cuire et après, vous verrez, ça sera tout moelleux et je vous jure, elles sont trop bonnes. Je rajoute un tout petit peu. Là, ça fait des trucs bizarres, vous allez voir, mais c'est normal parce que c'est mélangé avec de l'eau, mais vous allez voir, en fait, elles vont être beaucoup plus moelleuses, elles vont être onctueuses en bouche. Je vous jure, c'est un 10 sur 10 cette recette, c'est obligé que vous aimiez. Si vous aimez les gnocchi, celle-ci, ce sera le max. Si on met pas d'eau, pas de crème, etc. mélangé, c'est des gnocchi à poêler qui sont un petit peu grillés, on va dire. Et là, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Au fur et à mesure, là, en attendant que mon copain arrive, je vais mettre un peu d'eau pour qu'elle soit toute bien moelleuse, bien crémeuse. C'est vrai qu'à la rentrée, j'avais un bon rythme au niveau sportif. Je faisais 3 séances par semaine. Soit j'allais faire du pilates, mais j'en ai pas fait énormément de séances en extérieur. Soit j'allais courir le dimanche. Soit sinon je faisais des séances sur YouTube, c'est ce que j'ai majoritairement fait. J'avais pris énormément de cellulite avec l'été, j'avais mangé trop de glace. Du coup mon objectif c'était vraiment d'enlever la masse graisseuse que j'avais accumulée pendant l'été. Mais là j'avoue que vu que je suis partie en Pays de la Loire, qu'après j'ai fait avec Paris, dès que ça casse mon rythme, j'ai du mal à reprendre. Donc là, fini les bêtises. En plus de ça, je sais déjà que je vais me goinfrer cet hiver de fromage, de raclette, de fondue, de tout ce que vous voulez. Mon dieu, qu'elle est bonne. Mmh. Elle est hyper crémeuse, 9 sur 10. Elle est vraiment excellente. Bien écoutez, on est sur une fin de vidéo. Je suis en train de me nettoyer le visage. Même si j'ai rien du tout sur la peau, je vais faire tous mes petits soins, mettre tous mes petits sérums, mes crèmes hydratantes, etc. Et je vais aller me poser devant notre série. En ce moment, on regarde Breaking Bad. Tout à l'heure, on a vu en allant sur Netflix qu'il y avait la nouvelle saison de Lupin. On avait adoré cette série, donc je pense qu'on va se regarder ça ce soir. Et
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je me suis fait toute ma skincare du soir absolument sur ma peau. Je suis toute huileuse et j'adore cette sensation avant de me poser devant la télé. Là, je vais aller prendre ma douche et ensuite ma place sera de revenir ici dans ce canapé. Vraiment, j'adore le dimanche parce que j'en profite vraiment pour me reposer et prendre du temps pour moi. Habituellement, j'avoue que je tourne jamais de vidéo le dimanche. Mais là, c'était l'occasion pour vraiment vous faire le matin, le repas du midi et le repas du soir. Vous voyez, typiquement, la semaine prochaine, je sais que l'un des soirs, je vais manger chez une de mes copines. Un autre soir, j'ai ma maman qui sera sur Lyon, donc on va en profiter pour sortir, etc. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo sur un format 24 heures où vous pouvez vraiment voir ce que je mange réellement. Je me suis dit que ça serait plus cool pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres formats comme celui-ci. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous.